Ah, carrément content. C'est ma première session de l'année. C'est une session que je vais partager avec finalement beaucoup de monde. Il y a Romain avec lequel je vais intervenir, il y a Matt aussi, que je rencontre pour la première fois depuis 2 ans qu'on travaille ensemble. C'est intéressant de noter. Donc voilà, j'ai la chance de présenter un petit set un peu plus personnel aussi au cours de soirée. Donc ouais, je suis ravi d'être là, c'est ma première session. Et... On est toujours en phase de mixage. Je pense que j'aurai terminé mes mix perso dans quelques semaines. Ensuite, ils partent en tournée. J'ai Exodus de Bomatic. C'est lui qui va le sortir. Qui m'a demandé de faire les versions. Et puis, je ne suis pas encore tout à fait équipé pour les faire proprement à la maison. D'accord. Et donc voilà, je termine juste les mix, je pense que ouais, dans quelques semaines pour moi ce sera fini, donc j'espère que ça sortira avant l'été. Peut-être au moment du printemps, quelque chose comme ça, c'est joli. Absolument tout ce que j'ai écouté et apprécié. À la fois du reggae, de la musique celtique, du jazz, du blues, du rock, du heavy, toutes les influences que j'ai pu avoir dans ce que j'ai traversé musicalement déjà. Et puis je suis gamin et puis musicien aussi. Je crois que j'ai pas de recette particulière. Je dirais que parfois c'est une idée de base qui vient à l'esprit, sur laquelle on construit le morceau. Des fois c'est juste une idée de score, une idée de mélodie. Et puis, donc ça vient d'abord dans la tête, une mélodie, Quoique parfois, on se retrouve juste dans le studio, devant le clavier, avec un plugin activé, et puis on se dit tiens, on va essayer un truc, et puis on cherche un petit peu, et puis l'inspiration vient au bout d'un moment. D'accord. Il y a des fois où c'est naturel, inné, et puis il y a des fois où ça demande un petit peu plus de travail. D'accord. Ça dépendra des jours, de l'humeur. C'est ça. Et de la lune. Ne pas oublier la lune. Déjà tous les sounds qui m'invitent, forcément, tous les médias qui relayent, merci encore. Mais plus précisément, donc je le disais déjà avant, Michael Exodus, forcément, de Bomatic, avec lequel j'ai déjà travaillé sur d'autres projets avant, et qui voilà, m'accompagne sur celui-là. Et après, bah, toutes les personnes avec qui j'ai eu le loisir de travailler, et particulièrement ceux dont j'ai déjà visité le studio. D'accord. Parce qu'à chaque fois, c'est un échange, c'est une façon d'approcher la musique qui est toujours un petit peu différente, etc. Et en fonction des contacts humains. Exactement, l'ambiance du moment. Il y a des fois où on me pressent en plus, tu vois, sur un truc un peu stepper, et puis ouais, je suis pas dans l'humeur, donc je lui dis t'as pas autre chose à me proposer, on revient sur un truc un peu stepper, etc. Ouais. Et tout ça, ouais, ça fait bosser. Et encore une fois, je tiens à remercier Romain, parce que c'est depuis la séance d'enregistrement du Gypsy que j'ai vraiment changé ma façon de travailler, et que depuis, il y a vraiment beaucoup de choses. Le fameux Gypsy. Le fameux Gypsy. Même ta carte SD elle sera pas assez grande. Et puis je dois aller jouer, je crois. Bientôt. Non. En 3 mots par exemple. 3 mots, ça fait penser à une devise, ça c'est un peu bizarre. Pas évident, mais. En quelques mots. Le maître mot, c'est l'amour. Déjà. Que ce soit l'amour de son prochain, que ce soit l'amour de ses proches, que ce soit l'amour de la nature, l'amour de la terre, l'amour de la vie. Je pense que c'est déjà un gros point. Après, la conscience, je pense que c'est un autre mot qui est très important et que malheureusement beaucoup de gens oublient ou qui n'ont pas conscience justement. Et pour finir,
la musique. Qu'est-ce que je dis d'autre? Très bien, donc ça rejoint, ça rejoint le premier d'ailleurs, mais bon, voilà, c'est... Dans le média, je tourne en solo, les contacts que j'ai me font tourner, voilà. Ceci dit, pour les temps à venir, peut-être que les choses vont changer. D'accord. Je pense qu'il y a pas mal d'enregistrements qui traînent dans les studios à droite à gauche. Les gens travaillent petit à petit, il y a pas mal de choses à mon avis qui vont sortir, que ce soit cette année ou l'année prochaine. Parce qu'il y a un peu de boulot, je crois. D'accord, super. Et voilà, je pense que je vais essayer de commencer à travailler sur un autre album aussi. Mais là, pour l'instant, je peux pas les envoyer. Enjoy, live and love. Le message.